Hello la bande! Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter ma chambre! Donc restez présents et suivez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, petit pouce bleu et les commentaires pour me donner des avis et des conseils. Gros bisous! Bon visionnage! Donc voilà l'entrée. Oh, bah, mais elle est où la poignée? Elle est où la poignée? Comment je fais pour rentrer? Eh non, ça coulisse, les gars! Bienvenue dans ma chambre! Voilà. Là, on vient de rentrer dans la chambre. Donc, on va commencer comme ça. Donc là, petite tapisserie avec des paillettes! Eh ben ouais, parce que je suis une princesse, c'est logique. Donc, tout ce plan de là. Donc là, c'était la porte d'entrée. Donc tout là, j'ai fermé. Tout là, c'est du plan noir pailleté. Je trouve ça trop beau. Je pensais pas qu'on le voyait aussi bien, mais là on voit dernier cri, c'est trop bien. Donc là, un petit cadre, je le trouvais trop beau. Une petite bouche avec des couleurs. Voilà. Donc là, j'ai fait mettre une petite lumière en néon. Et le cadre Alinéa ou Fly, je sais plus, j'hésite. Désolée, je ne m'en souviens plus. Donc là, le lit. C'est mon doudou! C'est Bob! C'est mon petit Bob! C'est mon petit Bob, je l'aime trop. Et puis ça, c'était un cadeau. C'est un petit cœur, donc je l'ai gardé. Je le garde dans ma chambre et tout, un petit souvenir. C'est trop mignon. Donc là, vous avez la fenêtre. Hein. Donc là, ensuite, vous avez l'armoire qui prend toute la chambre. Avant, bah, il n'y avait rien, ni les niches là. Et du coup, en fait, il aurait fallu que j'achète une armoire. Mais je voulais pas une armoire parce que c'est pas du tout mon style. Du coup, j'ai mis ces deux penderies. À la base, les portes, je voulais une porte en miroir, mais c'était pas possible. Je ne sais plus pourquoi. Donc, j'ai pris celle-là. Comme vous le savez, la pièce maître, elle est en haut. Elle est pas là. Donc, j'ai laissé comme ça pour l'instant. Je voulais faire mettre des rideaux aussi à la place des portes. Je trouve ça super stylé. Je me suis plus occupée de mon dressing, hein, on verra plus tard. Donc un renforcement pour pouvoir mettre les deux dressings. Et du coup, on a créé des petites niches parce que c'est super beau. Je ne l'ai pas encore peint, je devais le peindre en noir. Parce que du coup, là, l'autre côté, j'ai choisi gris. Donc c'est un gris simple. Hein. Mais il est un petit peu joli quand même. Mais il n'a pas de paillettes, quoi. C'est ça que je vais vous dire. Donc voilà, je vous disais, donc j'hésitais entre noir ou gris. On verra bien, je finirai plus tard. Là, il était censé y avoir une télé, une petite télé. Mais comme je vous dis, j'ai pas fini. Bon, après, vous regardez ma première vidéo, je vous la mets en lien. Mon room tour de mon dressing. Il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, cette chambre, elle est faite que pour dormir. On continue. Donc quand on fait le tour, là, on a... hop! Un petit pouf! Donc voilà. Vous voulez que je vous dise quoi sur le pouf? Il n'y a rien à dire, donc on peut continuer, non? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Ce pouf, il vient de Ikea, je pense. Non, franchement, j'en sais rien. Désolée. Donc, on continue. Donc là, vous avez, hop là, un petit rideau à fil. Donc, en général, je peux le remonter comme ça. Il y a le petit truc pour accrocher, le petit... Voilà, vous voyez. Donc, allez, c'est parti. Là, j'ai fait mettre un petit tapis aussi. Pff, en fait, c'est pas assez grand du coup, parce que moi, je voulais mettre des coffres. En fait, je voulais une chambre, mais une très jolie chambre. Mais bon, là, les tables de chevet et tout. Enfin, donc là, ta-ta-da, lumière maestro. On va ouvrir, je vous ouvre. Bienvenue dans ma salle de bain. Donc voilà, la lumière, elle se trouve ici. Vous rentrez, vous allumez. Vous avez une prise là, c'est bien si vous voulez vous coiffer. Hello la bande! Donc, voilà, déco, c'est limite encore. Hein. Là, il y avait un autre truc que j'avais fait un concours sur Insta. Donc, c'est parti. Ça aussi, j'hésite à l'envoyer en concours ou pas. On verra bien. Et si vous le voyez...
voyez qui vous intéresse, bah dites-moi en commentaire et je lâche le concours. Moi, il n'y a pas de souci. Donc le lavabo, enfin voilà, c'est limité. Et puis la douche, voilà, c'est une douche basique. Donc voilà, j'ai la petite douche dans ma chambre. Mais bon, la vérité, je suis plus dans la salle de bain parce que voilà, il y a tout mon maquillage, il y a tous mes affaires et tout. Et puis je me change, je suis en haut. Hein. Bon, ben on a à peu près fait le tour de ma chambre. Ah, ça, zéro, c'est très vilain. Mais faut que je change, j'ai toujours pas changé. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On verra bien. Bon, je vous ai pas montré ça aussi. Voilà. Moi je voulais, mais bon après la chambre elle est pas assez grande, moi j'aime bien le petit lustre, vous savez, avec les grosses plumes et tout, mais je sais pas trop, hein, parce que la distance là, je sais pas, à voir. Mais bon comme je vous dis, moi cette pièce, c'est que pour dormir. Vous voulez que je vous montre comment je fais quand je dors? Numéro 1, on ferme les volets. Ah la honte, ah la honte, elle sait même pas fermer son volet. Numéro 2. On saute dans le lit! Non, ben voilà quoi. Donc voilà. C'est fini pour le room tour de ma chambre. Ça a été plus rapide que mon dressing. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire si je peux rajouter des choses. Je sais pas si vous avez des idées et tout. Moi je prends, hein, ça me fait plaisir. Parce que là, franchement, là, j'ai arrêté ma chambre. C'est vrai que j'ai pas... J'abuse, hein. J'ai pas fait grand-chose et tout, mais voilà, quoi. Moi, je vous dis... Ah, je vous ai pas montré dans mon armoire. Vu que dans le dressing, je vous avais dit que là, il y avait mes affaires d'été et tout. Je vous montre ça. Now ! Donc, là, comme je vous ai dit, il y a les affaires, donc les robes, les petites robes d'été, pardon. Donc, voilà. Big up à celle-là, je te jure, je la kiffe. Je l'aime trop, elle. Trop stylée. Les combinaisons. Donc les robes de soirée. Celle-là, c'est une mannequin. Hein. Les robes... taxeta, caftan et tout, les robes de soirée princesse et tout ça. Néo d'été. Donc tout néo d'été. Oh mince. Donc tout néo d'été là et tout. Voilà. Et de l'autre côté, je ferme. De l'autre côté, il y a quoi? Bah, il y a mes voilà, tout ce qui est mes débardeurs. Là, il y a des jupes. Là, les débardeurs noirs. Là, c'est plus la couleur. Hein. Mes survêtements, ouais, je suis une fan de survêtements. En fait, c'est pas ça, mais c'est que déjà, bon, à l'époque, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup en survêt de basket. J'ai mis du temps à me féminiser, beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et en plus, j'aime bien, moi, le dimanche, les jours fériés et tout, me mettre détente, à l'aise. Voilà quoi, moi je me prends pas la tête. Allez, ciao les amis. J'en profite, je vais vous faire une vidéo en vous parlant de cette chemise. Parce qu'aujourd'hui, elle m'a fanée. Ok? Donc, je vais vous en parler. Ça durera peut-être 5 minutes ou même pas, hein, moins de 10 minutes, hein, vous verrez. Hein, mais bon, j'en ferai quand même une petite vidéo. Voilà, gros bisous. Allez, ciao.